me serons en confiance de garder le courage. Il dit que je te demande devant Dieu qui donne la vie. Bien aimé, si tu as vu jusqu'à 7 heures, c'est ma plus grâce. Amen. Quand tu as traversé le bouton, je te fais dans le pays, tu as prené les avions, tu es à pied, tu es un bouton, tu ne peux pas mourir. Parce que si tu es mort, et que moi, ce jour, tu es là, mon Dieu. Et Luc dans le chapitre 12, le verset 16 a dit, dit ceci. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je prie. J'abattrai les grillés, j'abattrai les plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ça, c'est un homme.
j'ai appris de l'aimer. Parce que j'ai appris que la richesse des biens venait de toi. Et que ça pouvait t'aider. Ça ne peut pas t'aider. Mon frère, je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu n'as pas. Mais tout vient de la part de Dieu. Ton argent vient de la part de Dieu. Tes richesses viennent de la part de Dieu. Si quelqu'un te demande, mon frère, montre-moi les techniques pour que mon Dieu échange sur toi. Pour lui dire, frère, c'est ma plus grâce avant l'église. Quand tu as chanté, chante les autres. Et ton Dieu, Dieu va te bénir.
accomplir cela. Amen. 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 Dans le texte de 1 Timothée 6, verset 17, la Bible dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses que nous agissions. » Amen. 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 Ma soeur, ma lettre, c'est Dieu qui dort. Parce que l'orgueilleux
il pense, il croit que celui-là, c'est parce qu'il est fort, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a étudié à l'école, parce qu'il a travaillé dur, il a fait des tapis, parce qu'il s'est d'abord étudié, c'est pour ça que ça marche. L'orgueilleux ne veut pas tirer son appel. L'orgueilleux, tu lui dis, comment tu as fait? Il va tout dire, sauf Dieu. L'orgueilleux, il te parle des stratégies. Non, pourquoi ton commerce marche? Non, il suit des stratégies marketing. Tout ça, c'est bon. Mais celui qui est humble, en plus de cela, il dira toujours, c'est par pure grâce. Parce que vous êtes parti dans les mêmes écoles. Et il y a des gens qui appliquent les mêmes principes qu'on a enseigné à l'école, mais ça ne marche pas. Ou bien, ils appliquent les mêmes principes, mais souvent, ça ne marche pas. Donc, c'est bien d'appliquer les principes qu'on a appris, qu'on a acquis à l'école. Mais l'orgueil dit, tu n'es pas là. Celui qui est un dit, c'est vrai, il y a tout ça, mais Dieu est là, c'est pas la grâce de Dieu. Amen. 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 Donc, la grâce de Dieu n'annule pas les efforts que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des efforts. Nous pouvons donner à fond. La grâce de Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Mais c'est pas la somme, oui. Le pasteur a dit à la bonne veille que ce n'est pas plus grâce. Donc, les dossiers, tu ne veux même pas les dossiers. Dis mon buveur, c'est pas moi. Je ne vais même pas passer mon courage. Mais je sais que ma pure grâce, quel mot est le nom des amis, mon nom sera de là. Mon frère, moi-même, si je vous ton nom, je vais parler. Moi, je vais parler. Parce que tu te dis, quand tu vas avoir ce travail-là, que non, je vais laisser la maison. Et ma pure grâce, quelqu'un va faire mon travail à ma place. Mais vous allez le tirer là-bas, là-bas. Là, là, ça va pas plus grâce à être appelé. Mais tout, allez voir là. La grâce n'arrive pas donc ce que nous avons à faire. Ce que l'on peut faire. Ce que l'on peut faire. La grâce n'empêche pas cela. Nous, nous faisons. Mais nous savons que ce que nous avons, ce que nous faisons, c'est pas plus grâce. Amen. Parce que quand tu te donnes, et puis la grâce vient, mon frère, tout marche sur toi au nom de Jésus. Amen. Alors, cette prière d'action de grâce. Pour ça que chaque fois qu'on vient à l'église, on dit, il ne faut pas rater ce temps. Quand je fais, Dieu te bénit. Amen. 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 Quand ta vie a fait ça, souvenez-vous. Quand tu veux, tu as envie de dire à Dieu que c'est lui qui est lui.
chair. Et il y a lui, passe par là. On a dit, quand il est caché, il sent. On a dit, il faut dire merci à qui? À Dieu. Donc, le Dieu qui a le cœur, on va finir pour rester. On va s'appuiser. On va faire le don. Et puis, il y a la sixième. Le premier pas du début de Gaza, c'est le repas du Seigneur. La nourriture ne va pas monter chez toi. La nourriture ne va pas monter chez toi. Donc, on est ici. C'est une qui nous reste. Je sais que on peut pas vers toi. On ne peut pas mettre sur du beurre. Okay. Ton voisin qui est là, faut plus le regarder. Il faut dire qu'il ne faut plus le regarder. Même si ce n'est pas ton femme, faut plus la regarder. On va rentrer dans un temps où nous sommes en pleine présence de Dieu. Nous allons nous laisser envahir par la présence de Dieu. Nous allons nous connecter à notre papa. Donc, pour laisser tout ce qui est distinctif, il fait chaud, moins que chaud. Mais c'est ça. Il faut que tu sois focus sur ton Dieu. Amen. Amen. Je vais pas t'en dire toi, amen. Amen. Alors, il est d'abord déjà, il dit merci à toi. Dis merci à Dieu, quand tu peux, père de gloire, dis merci à toi.
c'est la santé, c'est la paix, c'est la joie. Attends, pas que quand on dit présentation de Dieu, ton pasteur te dit bon et Dieu, ça n'est pas c'est ça. Toi-même, tu vas donner une identité à ton année. Quand Jésus te met l'aise, Dieu lui avait déjà donné une identité. Il dit son nom sera le Christ, Jésus. Parce qu'il vient sauver, il vient en tant que Messie. Il n'a pas fait de la mon frère. Mon frère, comment tu appelles ton année 2024? Est-ce que c'est ton année de mariage? Est-ce que c'est ton année où tes enfants ont fait quelque chose au voyage? Est-ce que c'est l'année de stabilité au travail? Et peut-être après moi. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! 2024! Je prie! Je prie! Que ma puissance! Et là, d'abord, il déclare avec moi. Au nom de Jésus, janvier 2024, je suis béni. Tout ce que ma main touche est béni. Partout où j'entre, je suis béni. Je possède mes possessions. Le ciel est ouvert sur ma vie. Je vis une vie de communion fraternelle. Et là, d'abord, il prie pour moi de janvier. Prie. Le mois de janvier est béni. Amen.
Que Dieu te donne aussi
tête, le mettre après moi. Et au nom de Jésus, j'ai tenu de quatre. Le roi n'est pas connexion. Dieu m'a auprès de moi. Des amis, des frères, des maris, des femmes, des amis encore, qui seront des collègues.
Je t'en prie encore, mais je vous dis que oui, je m'en ai pardon, pardon, c'est ça.
Thank you.
y a une action de grâce qui va accompagner cette foi. On vous a discuté les enfants. Si tu n'as pas eu, lève la main, on va pardonner. Au cours de cette offrande, il y a des versets bibliques, prophétiques, que vous allez tirer au sort. Donc quand je mets ton enveloppe, je mets notre tronc à côté, où il y a beaucoup de versets bibliques, prophétiques. Tu vas tirer un seul, par la carte, cinq. Prends un seul, qui n'a pas besoin de voir ça, c'est bien dans la tête. Prends un seul pour le passé. C'est le message de Dieu pour toi, pour la vie de Dieu. Toi, en 2020.
je te demande grâce pour les portes qui sont ouvertes pour moi en 2024. Reçois cette offrande au nom de Jésus. Amen. Aie la voix et prie ton offrande. Prie, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pardon, mon fils Seigneur. Je viens te demander, je ne suis pas multimillionnaire, mais voici ce que je t'envoie. C'est mon cœur qui te l'offre. C'est mon cœur qui te l'offre. Seigneur, je ne suis pas la femme la plus riche. Je ne suis pas le plus grand commerçant, le plus grand fonctionnaire. Mais je viens avec ce que j'ai. Accepte. Seigneur, ma vie n'est pas parfaite. Je ne veux pas tout ce que tu veux. Je le sais, mais je veux te parler. Accepte mon don. Accepte mon offrande. Je t'en supplie, Seigneur. Père, je vais recevoir tout à l'heure un verset biblique. Je vais piocher un verset biblique. Éternel, je t'en supplie. Que la parole que tu as préparée pour moi, le message pour la vie, 2024, que ce soit un ce message, que ma main soit attirée, que je prenne la prophétie pour moi en cette année 2024. Je ne veux pas simplement prendre un verset. Je veux son accomplissement. Je veux son accomplissement, Seigneur. Je t'en supplie. Nous avons prié au nom de Dieu. Nous avons prié au nom de Dieu. Pendant que les parents chantent et dansent, chantent, mon frère, comme Bénin, je sais que tu ne sais pas danser, tu es comme moi. Mais pardon, faut danser un peu. Dieu t'a béni, tu as donné le cas. Faut danser, personne ne te voit. Faut danser devant ton Dieu. Amen. Amen. Donc on vient offrir au Seigneur. On vient offrir au Seigneur. On vient chacun en dansant. Thank you.
dimanche 29 janvier 2023 sous la présidence de son éminence Bishop de la Népouille, président de la conférence arrière de l'Église de l'Église Unie, Côte d'Ivoire, accompagné de son Excellence Isaac Bouquet, secrétaire de la conférence et de son cabinet. En collaboration avec le révérend pasteur Mobio Ruffin, la radio La Voix de l'Espérance a tenu son émission Bereshit Bara Elohim au temps des autres le vendredi 7 avril 2023 de 21h à 6h du matin. Le but officiel de la journée du soldat de Moïse, le dimanche 17 septembre 2023, présidé par son éminence Bishop de la Réunion, président de la conférence arrière de l'Église de l'Église du Côte d'Ivoire et officier par le grand pasteur Ismaël Kida, aumônier des militaires. Le but officiel de la journée des laïcs, le dimanche 15 octobre 2023, sous la présidence de son éminence Bishop de la Réunion, président de la conférence arrière de l'Église de l'Église du Côte d'Ivoire et officier par le prédicateur laïc en titre, Sylvio Atsuri, secrétaire de la dite organisation. L'enregistrement de l'émission Prise des portes, organisée en collaboration avec Espérance TV le mercredi 29 novembre 2023. Cette année, le comité d'organisation de la fête arrière des poissons 2023 a mis l'accent sur les enseignements afin d'amener les fidèles à mettre leur foi en action. Ainsi, trois semaines d'édification ont été organisées du 29 mai au 4 juin, du 6 au 13 août et du 3 au 10 septembre. Pour finir, le comité des ministères des autres en abrégé CRS a organisé du 10 décembre au 17 décembre 2023 la dernière croisade de l'année autour du thème Enlever le butin du puissant. Les cultes se sont déroulés normalement tout au long de l'année selon les lectionnaires méthodistes. Les prédicateurs et les morales ont assuré pour leur part la mission qui leur était assignée. Concernant le champ de mission, nous sommes heureux de constater que la communauté s'agrandit peu à peu avec plus de 150 membres. Comme chaque année, les assistants sociales ont été des piliers essentiels de l'engagement du bureau du conseil envers la communauté. Ainsi, pour les cas de décès, c'est la somme de 5 592 695 francs qui a été remise aux familles en deuil à raison de 200 000 francs pour le décès d'un membre des autres et 100 000 francs pour le parent d'un fidèle. Quant au déplacement des chorales et des délégations, il s'élève à 2 494 000. Pour les cas de maladie, nous avons dépensé la somme de 2 824 825 francs et les aides sociales diverses se sont élevées à 2 160 800 francs. Grâce à votre appui, nous avons pu apporter un soutien tangible aux personnes dans le besoin. Alors, quand nous faisons le total de tous ces aides, nous avons 13 711 620 francs pour les cas d'assistance sociale. Cela représente 9,14% de l'évolution de nos actes au sein de la communauté. Au niveau de la vidéo, cette année, le nombre de familles est de 1013 pour un montant de 29, pour un montant souscrit de 29 442 200. Nous avons réalisé 21 075 000, soit 72%. Il nous reste à reverser 8 367 200 francs. Au fond d'ordinaire, en 2022, nous avons eu 23 327 400. Cette année, nous avons eu 25 083 153 postes de 7,5%. Au niveau des dîmes, l'an dernier, nous avons eu 8 698 820. Et cette année, nous avons eu 6
2140-2160, il y a eu une baisse de 24%. Au niveau des tombes, l'an dernier, nous étions à 2 522 410. Cette année, nous sommes à 1 496 100 francs, soit une baisse de 40,7%. Les offrandes de fin de mois nous ont donné 11 948 925 francs. Cette année, en 2023, nous sommes à 11 710 900, soit une baisse de 2%. La moisson 2022, nous étions à 78 810 525. Cette année, nous avons recueilli 87 527 390, soit une hausse de 11%. Les offrandes de soutien lors du mariage sont élevées à 624 500. Et les dons lors des présentations de nouveau-nés se sont élevés à 3 029 015 francs. Ces deux montants, nous voulons le rappeler, ne rentrent pas dans le fonctionnement de l'Église et sont intégralement reversés aux familles. Au niveau des difficultés, nos difficultés sont sensiblement les mêmes que l'an dernier. Nous avons la faible participation des fidèles au moment des prières et des éducations, aux classes de police, aux veilles de soutien aux familles en deuil et les mariages. Le taux de souscription et réalisation plus égaux et moins sont encore en deçà de nos attentes. Nous voulons à ce propos rappeler l'importance de la communion fraternelle, ainsi que nos cœurs soient unis dans la joie des mariages, de même dans les moments de deuil, que nous soyons une source de confort et de soutien pour les autres. Aussi, ne nous lâchons pas de participer aux classes de police et aux séances de prière organisées par notre communauté. Satisfaction, nous rendons grâce à Dieu, d'abord pour les fidèles qui répondent chaque fois qu'ils sont sollicités. Ensuite, nous rendons également grâce à Dieu pour l'apport en matière dont la communauté bénéficie de la part des fidèles. Et enfin, pour la réussite des activités organisées au sein de notre communauté, notamment l'organisation de la moisson 2023. Au niveau des perspectives, nous comptons entamer la construction du bâtiment que vous avez validé, le bâtiment de R3. Ensuite, nous comptons construire un bureau pour le champ de mission et envisager de donner au champ de mission son autonomie. Dans quelques mois, les pasteurs Didier Roméo et Danger seront consacrés. Nous les accompagnerons dans l'organisation et la tenue de leur d'action de grâce. L'étudiant pasteur Diane Arissa également sortira de l'ISA. Elle sera également accompagnée à son premier poste. Au terme de ce bilan, nous voulions exprimer notre reconnaissance et notre action de grâce à Dieu pour son appui constant et son soutien sans faille tout au long de l'année 2023. Nos remerciements vont à l'endroit du très révérend pasteur Séraphin Mounet, surintendant du district de Bourbon, pasteur principal de l'UNESCO, pour son ouverture d'esprit et ses conseils à viser. Nous remercions également le révérend pasteur Emilia Williams, qui, malgré les conditions du travail, est à mieux. Nous voulons remercier le Seigneur pour ses sages conseils et sa disponibilité. Nous remercions le Cardinal Salier Michel et tous les membres du bureau du conseil de leur engagement et la France de la Poisson. Je voudrais féliciter toutes les structures de l'Église pour nous avoir accompagnés dans l'organisation de la Poisson et surtout pour le travail abattu en leur sein. Pour cette année nouvelle, je voudrais nous recommander aux grâces de notre Seigneur et nous exhorter selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le feu dans la solitude. Nous, chrétiens, ne devons pas nous emprisonner dans les échecs et les actions du passé, car chaque jour où nous nous réveillons est une occasion d'espérer
expérimenter la fidélité de Dieu. Alors, décidons-nous en cette année 2024 à suivre le chemin que Dieu aura tracé pour nous. Que Dieu bénisse l'Église méthodiste unie, tant personne et vous aussi aussi. Que Dieu bénisse tous les fidèles au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je vais bien terminer mon intervention par les vœux de nouvel an. Je voudrais vous adresser mes vœux les meilleurs et prier que vos prières soient exaucées. Je demande à l'Éternel de vous tenir la main tout au long de cette année 2024 pour vous conduire dans le même pâturage et qui vous donne de manger les meilleures productions du pays. Que l'année 2024 soit une année d'abondante grâce et de percée, de réussite à tous égards. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui vous sont proches, qu'il vous accorde d'être dans la joie, dans la paix, et que son amour vous inonde au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait une laïque, le sang mal de la pasteur pour servir la communauté. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes en 2000, et depuis combien? 2024 ans. Et vous avez observé, vous avez remarqué que le patron n'est pas là. Les hommes, le chef de la veuve, sa famille n'est pas là. Et vous avez raison. En ce moment, nous parlons, il se trouve à l'immunité de l'humanité avec le bishop et toute la conférence. Parce que c'est à côté que le culte officiel qui est retransmis en direct sur la RTI est fait au discours du champ. Donc c'est normal que monsieur le ministre soit là-bas pour accueillir toutes ces délégations. Mais sachez que c'est avec le cœur de maître qui est parti. Et lui-même, vous voyez, que vous avez la chance là. Bon, il dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez il y a très haut, les gens sont chaleureux. Donc quand ils voient tout ça, et puis ils laissent ça pour aller de l'autre côté, voilà, il dit pas d'être, mais il peut très peu. Donc il m'a dit que vous allez retrouver ça le 7, dimanche prochain. C'est que vous allez faire là. Vous mettez ça au froid, vous faites une sortie, vous chauffez depuis le 7, aucune de l'alliance. Amen. Donc c'est en ce moment que nous allons vous donner les vœux de cette année 2024. Et nous allons vous appuyer sur le texte de Genèse, du chapitre 11, du verset 4 au verset 6, il dit ceci. Ils disent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, c'est ce passage, c'est ce verset, Genèse 11, verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont appris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. C'est Dieu qui le dit. Le soir de 2024,
nous serons le vœu d'une année illimitée. Amen. Une année où vous êtes dans l'illimité, où rien ne vous arrêtera, où rien ne vous arrêtera sur le chemin de votre destinée. Rien ne vous bloquera dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et cela commence à voir. Voilà. Le premier point, de former un seul peuple. Les gens ont formé un seul peuple. Et c'est dans le Père de la Sainte qui nous a dit, il faut que nous soyons une famille, que monsieur et madame se réconcilient, que grand-mère et petit frère s'entendent, que police et maître de guerre s'entendent, que pasteur et naïf jouent dans un même corps à ses lieux, que fidèle et conducteur de classe s'entendent. Il faut qu'il y ait la danse entre nous. Il faut que nous formions un seul peuple. Quand on dit le peuple des hommes, un pas, il faut que ce soit le pas de tous. On ne va pas avoir deux camps, trois camps, quatre camps. En 2024, si nous voulons une unité, il faut que nous soyons un. Là où il y a des sensations dans nos couples, dans notre famille, que Dieu envoie l'esprit de consolation. Amen. Si dans votre entreprise, vous formez un seul peuple, si le patron et les collaborateurs s'entendent, bien mieux, votre entreprise sera une saison d'illimité. Vous allez réaliser des espoirs. Si entre nous ici, nous formons un seul peuple, ce que nous voulons faire, nous allons le réaliser au nom de Jésus. Donc, ce sont les peuples de l'illimité, d'une année d'illimité, et qui commence par le fait de former un seul peuple. Deuxièmement, Dieu a dit, ils ont tous une même langue. Ils n'ont pas une même langue. Ils parlent tous le même langage. Quand un dit oui, tout le monde dit oui. Quand un dit non, tout le monde dit non. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de pression. Les vœux que nous formons ce soir, c'est que dans votre famille, vous avez ce langage. Que vous vous entendiez, que ce que l'autre dit, l'un vient soutenir, et ce que l'un dit, l'autre vient soutenir, qu'il n'y ait pas de voix divergence, des paroles, l'animosité qui nous sépare, que nous ayons une seule langue, la langue des sceaux, la langue de la classe de police, la langue du conseil, la langue du frère de l'homme, c'est un peu la direction qui vous tombe. Que nous ne l'emportions pas, que personne ne s'éloigne de cette voie. Quand il y a un roi à droite, nous l'avons entendu. Quand on nous demandera, il a dit quoi? Que nous tous nous répétions la même phrase. Alors, si nous sommes un seul peuple, et nous avons une même langue, Dieu dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mon frère, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, si c'est un seul peuple, une même langue, moi comme Dieu, je ne vais pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Est-ce que vous voyez c'est pour ça? Donc, si nous sommes un seul peuple, une même langue, nous allons connaître une saison d'illimité. Quand l'ennemi va se lever, c'est une frappée de honte. Quand la mort va venir entre nous, la Bible va prendre le dessus. Alors, bien aimé, les autres, exode 2, Église de l'Esprit, personne que nous vivions une saison d'illimité. Ton mariage va être dans l'illimité. Ton entreprise va être dans l'illimité. Tes enfants vont être dans l'illimité. Aucun blocage ne va t'arrêter. Et que 2024 soit une meilleure année pour l'homme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Élevez vos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il a vu que ta voix est raisonnable, juste. Et nous avons été sensibles de voir. Et rendons grâce en tout temps et en tout lieu. Toi qui nous as suivis, qui nous a gardés tout le long de l'année 2023, qui vient de se refermer à jamais. Lorsque notre espérance est en toi, pour cette année nouvelle 2024, qui vient de s'ouvrir, ô Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous disons ensemble, c'est comme moi. Avec les anges, les archanges, et nous t'avons ressuscité. Nous exaltons et magnifions notre Dieu. De loin à toujours et disant, Saint, Saint, Saint le Seigneur, l'Éternel des armées, les cieux et la terre sont remplis de la foi. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Veuillez vous asseoir et inclinons-nous dans la prière. Au moment où tu t'apprêtes à venir à la table du Seigneur, à prendre ton premier repas, à communier pour la première fois en cette année 2024, que chacun fasse l'examen de sa vie, l'examen de son cœur. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à la table, ô Seigneur de miséricorde, en confiant en notre justice. Mais à la moment de grande compassion. Ils ne sont pas dignes de venir l'un des biens du temple de la table, mais tu es tout le même Seigneur, et ta nature est de miséricorde. Accorde-nous donc Dieu de demander souvent par la foi de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de telle manière que ce règne de la rompre soit pour la communion en son corps, et que cette paix bénédiction par laquelle nous donnons grâce soit la communion en son sang, et que nous demeurons toujours en lui. Et lui, amen. Amen. Réveillez-le. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Pour porter le fruit
qu'ainsi nous soyons tous ensemble, unis à ton Fils et porteurs de son amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bénis, dit le Seigneur, car tout est prêt. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Nous allons donc communier avec tous les officiants et ensuite nous devons le peuple de Dieu à venir à la table du Seigneur. Pendant le mémorial, exécutez des cantiques de consécration.
s'écrit Alléluia. Tu viens de renouveler la face de la terre par cette nouvelle année que tu viens d'ouvrir devant nous. Une année à la fois pleine dans nos promesses et de certitude. Parce que demain n'est pas encore votre pouvoir. Nous en donnerons tout. Cependant, nous savons une seule chose. C'est que tu es avec nous, selon ta promesse, jusqu'à la fin du monde. Sois élevé, loué et glorifié. Aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Chantons ensemble. Gloria.
parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire la rentrée et ils vont venir ici pour prier dans les CS. C'est pas une lutte de l'ICA. Ceux qui vont venir, on va partager une portion de la semaine ensemble, on va prier pour nous se séparer en paix. Amen. Amen. Le Christ prend ici. Père, tu ne vas pas continuer le Christ ailleurs. Parce que pourtant, tu as été tellement béni. Tu as deux choses à faire. Soit tu iras, tu vas à la maison, avec ta petite famille, manger ta petite fille de blé, la passager comme une, ou bien tu restes ici. Tu pries parce que tu es soumis. Je ne pas souffrir. On ne va pas faire. On ne va pas assurer les grâces de Dieu à l'heure. Des rendez-vous, des réchauds, pour le petit état. Pour le petit état. Tu vas apprécier les hommes de tes mains. On ne va pas trouver ça ailleurs. Prends ça, cache, envoie la maison. Ou bien reste ici. Tu pries, quand tu as sauvé, tu vas à la maison. C'est mieux, mon frère. Le démarrage, c'est très important. Amen. Comme exhortation, nous sommes dit que la vie, après une prière, une action de grâce. Nous également, nous avons fait des actions de grâce. Par nos pas, par nos dons, par nos prières. Que nos vies entières soient une vie de reconnaissance tout au long de 2024. Que Dieu recevra la bénédiction. Voici les lieux pour chacun d'entre nous. Que le temps de poursuivre sa route. Heureux dans cette nouvelle année. Allons dans la paix et dans l'espérance. Bien.